Étant donné que les nuits commencent à être fraîches, pour pouvoir manger du navet, du radis, des choses de ce genre, des salades, j'ai commencé à mettre un petit plastique par-dessus la nuit. Voilà. Et la journée, et bien simplement, j'aère au mieux. En faisant ça de chaque côté. Façon à laisser circuler l'air. Voilà. Bon, ça va simplement permettre d'arriver à maturité à mes petites salades qui sont là. Bon, mes radis, c'est bon, ça y est, on en mange. Et puis on avait. Alors évidemment j'ai tout au fond du terrain, comme c'est long, c'est protégé par des arbres, rien ne se voit, mais tranquille. J'ai tout un tas de bois qui me permet déjà d'avoir du petit bois pour allumer le feu, mais surtout qui permet à tout ce qui est hérissons et petites bêtes de venir se planquer tranquille à l'abri. Alors le matin c'est pareil, on a un petit rituel, on a un seau à jeter avec tout ce qui est plus sûr, dosettes de café, filtre à café et autres. Alors vous voyez, bon, j'ai un tas de compost ici sur lequel j'ai des herbes. Mais c'est pas grave, parce que si c'est des mauvaises herbes, dans la mesure où, de toute façon, ça va chauffer et donc ça va tuer les mauvaises herbes. Alors j'évite évidemment de mettre quand même, s'il y a de la graine, des choses comme ça, mais en majeure partie ça va chauffer et donc ça va fondre. Voilà, tout ça ce sera utilisable au printemps prochain. De temps en temps je mets également un petit peu de cendre de bois, puisque avec la cheminée, ben, j'ai la chance d'en avoir pas mal. Alors vous voyez, le tas peut aller à peu près jusque là-bas, jusqu'au grillage, tranquille. Ça, j'avais fait un petit truc là pour mettre des poules il y a quelques années. Et puis, ben, j'ai eu la visite d'un renard qui m'a tout bouffé. Donc, voilà. On a abandonné le projet poule. C'est devenu une savane, mais c'est pas grave. Et je m'en sers maintenant comme coin pour faire mon compost. Voilà. Sans oublier que j'ai également un tas de fumier. Là, vraiment du fumier. Et là, comme on a été absent pas mal de temps, il y a de l'herbe qui a poussé sur le fumier. Il va falloir retirer le tout. C'est génial. Bien, bonjour les amis. Alors, ben on continue. On avance morceau par morceau, bien sûr, hein, dans le terrain. Voilà. Donc, hier, j'ai commencé tout simplement à couper l'herbe qu'il y avait là, parce que vous aviez pu le voir, c'était aussi haut que de l'autre côté, qui reste encore. Et puis, je me suis attelé à commencer le nettoyage de la parcelle. Bon, alors bien évidemment, hein, je coupe d'abord les hautes herbes pour commencer à voir un peu plus clair, et ensuite j'arrache toute cette herbe là qui va me gêner. Mais pas complètement, parce que là du coup il va falloir refaire un nettoyage. Malheureusement je suis un petit peu obligé refaire un nettoyage de la terre avant de passer la grelinette. Voilà. Bon, vous connaissez certainement tous cet outil là, hein, la grelinette. Voilà ce qui va nous permettre d'aérer la terre sans la retourner.
Bon, alors évidemment, vous allez me dire, pourquoi vous arrachez les herbes? Parce que, en fin de compte, il n'y a pas de mauvaises herbes. Ben, malgré tout, en l'occurrence, quand on a laissé un terrain aussi longtemps sans protection et surtout sans être travaillé, je me comprends, c'est-à-dire sans rien cultiver dessus, vous avez les herbes qui se développent. Et ça, par exemple, c'est une herbe qui colonise une sorte de couvre-sol, hein, sauvage, je ne me rappelle plus le nom, mais bon, et ça colonise son lieu, et si je veux planter là-dessus, j'ai rien qui poussera, parce que ça va tout étouffer. Et, alors bon, ben, évidemment, hein, j'arrache le plus gros, ensuite, j'aère le sol à la grelinette, et j'en profite pour retirer les dernières racines de ces plantes-là. Voilà. Mais bon, alors c'est vrai que je ne suis pas ce qu'on peut appeler un véritable permaculteur, parce que sinon je ne travaillerais pas exactement pareil, mais j'essaie de faire un mixte entre la culture, je dirais, traditionnelle et la permaculture. Premier point, je ne retourne pas ma terre du tout. Deuxième point, je couvre la terre, telle qu'ici par exemple, vous voyez, telle que ici puisque c'est en attente, telle que ici parce que là aussi c'est en attente. Donc partout où la terre sera prête, alors selon les plantations qu'on va vouloir faire, je vais, avant de mettre ma paille, mettre un petit peu de fumier, un petit peu, hein, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, un petit peu de fumier pour la nourrir, et puis ensuite bien la couvrir avec de la paille, comme ça tout l'hiver, hein, de façon à ce que la vie du sol ne souffre pas, et également bien sûr, puisque la paille en se décomposant va produire une alimentation pour les vers, pour la terre, pour tout ça, ça va la structurer. Voilà. Alors bon, il est bien évident que c'est pas absolument facile à arracher, mais comme vous pouvez le voir, on aperçoit encore en dessous la paille qui avait été installée, qui a commencé à se décomposer. Donc j'ai pas quand même trop de mal à l'avoir. Et comme c'était entièrement paillé partout, ça a résisté pas trop mal et la terre sera bonne et à travailler. Enfin, je me comprends, à travailler, je vous dis, hein, je ne la retourne pas, mais à aérer et à planter très rapidement. Alors voilà. Voilà un aperçu de ce que ça peut donner une fois qu'on a avancé dans le travail, dans l'aération de la terre. Là ici il me restait un artichaut, je pensais qu'il était mort, mais il refait des jetons au pied, donc c'est parfait. Enfin vous voyez que là la terre, je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de fumier dessus, la recouvrir avec de la paille. Enfin ça quand j'aurai fini. Mais là, aujourd'hui, pas question de finir, étant donné qu'il pleut. Donc, bah, ma foi, on reste tranquille, au chaud. Voilà, ciao les amis. Enfin, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Ça nous soutient vis-à-vis de YouTube. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. Je vous précise, l'abonnement est gratuit, bien sûr. Allez, ciao les amis.